Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode. On démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique. Testing, testing. I am the champion. Comment tu sais? Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode de Prey. Nous allons démarrer immédiatement, donc attachez vos ceintures, clic-clac, clic-clic. Allez, go, come on, on y va, on est perdu encore dans l'espace. Mais on va essayer de s'en sortir. Putain, il faut que j'aille où déjà? J'ai tourné. Docteur Calvino. Il faut retrouver, je sais pas quoi. Laboratoire technique, je crois, c'est de là où on était sorti. Département. Ah! Cog, laboratoire technique, il est là, regardez. On est à 40 mètres. On va essayer de se remettre droit. Ok, c'est là, regardez. Regardez, c'est là, les amis. En espérant ne pas se faire poutrer par un robot de l'espace, un zinzin de l'espace. Ok. On va essayer de descendre là, je pense que c'est là. Je suis où là? Oh putain. Zone d'accès aux navettes, c'est pas là. Ah, ici? Non, ce n'est pas là non plus. On va y arriver, les amis. Hein. On va y arriver. Certes, c'est par ici, hein, les poteaux, c'est par ici. C'est par ici. T'es qu'à cette vidéo, non, je croyais. Panneau de commande, putain, on peut rien faire avec ça. Ok. Ouais, c'est chaud patate, les amis, en vrai. Fusil à pompe. Ah, et puis l'opérateur scientifique, il me fait flipper ma race, un truc bien, quoi. Ici? Eh non, là, c'est rien, là. Attendez, il est où, ce putain de laboratoire technique, là? Il est là. Non, navette. Attendez, on freine un peu. C'est quoi là en bas? What the fuck, hein? Centrale électrique. Tout à l'heure, je le voyais, laboratoire technique. Ben ouais, brèche de la coque.
Laboratoire technique, il est bien là? Quoi cette merde là? Hein? C'est pas dans la brèche. Tu retrouves la même porte par laquelle tu sortais. Donc attendez, il faut trouver une porte qui est par ici. Fanny me dit. Par ici, qui est dans l'espace. Ouais, dans l'espace, ouais. Là-haut, c'est quoi ça? Non, c'est pas là-haut. Ah, c'est vachement bien indiqué, hein? J'ai envie de dire, putain! Là-bas, il y a une porte là! Ah, ouais, elle est là la porte, regardez! Elle est là, il faut tout d'accord. Donc les portes ressemblent à ça en fait. En gros, fallait le savoir quand même, mais bon. Donc ça donne vraiment sur l'extérieur et ça fait un petit couloir. Hein. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour les autres voyages dans l'espace. Perso, je préfère la terre ferme. Attendez, excusez-moi, deux petites secondes. Hop là! Ok, super. Ok. Bah voilà, on est mieux sur la terre ferme. Oh. Eh non. Eh non, t'es sérieux toi? T'es sérieux? Oh merde! Cours Forest, cours, t'arrêtes pas surtout. Oh merde! Hein? J'arrive pas à le réparer. En passant la porte? Non, j'arrive pas à la réparer. C'est par là qu'il faut que tu passes pour passer la porte. Ah, t'es passé par le conduit en fait. Eh oui. Mais il faut que tu le répares à l'aide de ton... Bah voilà, à l'aide de ton canon à glu. Je l'ai fait, tout à l'heure. En fait... Ça n'a pas marché. Merde, mais je peux pas tourner à droite. Putain, c'est quoi cette connerie là? Ah, mais il me fait reprendre là. Ok, donc il faut que j'arrive à grimper. Il est où déjà? Oh, il est là. Allez, allez, vite, vite, on s'active. Hop là, glissade. Attendez, on ferme. On peut pas fermer? Oh merde. Et pourquoi je rentre pas là? Putain, je suis dans un bug, quoi. Super. Dans l'électricité, où est-elle déjà? Putain. Ah, mais il y en a encore là? Ils sont en panique totale, les poteaux. Là, c'est la merde là. C'est la merde là, j'ai pas de balles, j'ai rien du tout quoi.
suis Kevlo, je suis Kevlo, les amis, putain. Ah, je vais crever, je suis Kevlo. Putain. Oh là là, c'est quoi cette merde? Ouais, je suis Kevlo, les poteaux. C'est un grand moment de solitude, là, que je vis. Sortez de là. Un grand, grand moment de solitude. J'ai plus de balles, j'ai rien, quoi. Putain. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas signé pour ça, putain. Merde, quoi. Ah, c'est bien, ils me font reprendre là. Ah ben non, mais ouais, mais c'est quand même mieux, tu me diras. Ah, et puis là, j'ai la carte, maintenant, de toute façon. Ah ben voilà, les poteaux. Ouah, la chance, j'arrive à finir ma mission quand même, quoi. Putain. Ah, pas de balles, quoi. Pas de bras, pas de chocolat, hein, j'ai envie de dire. Oh là là, putain, ils me font peur. Ça me fait peur, tout me fait peur. Laisse pas ces monstres-là. Mettez-moi en commentaire si vous flippez un peu. Et ne m'y tenez pas à me dire non, 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 je flippe pas alors que vous flippez. Hein, attention. On sent le miroir, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, à mon avis, il faut remettre le jus. Ok. Super. Les emails. Ok. Super. C'est pas bien. Ok. C'est branché ici. Donc à mon avis c'est là qu'on met le jus, très bien. Arrêtez les bruits là. Arrêtez avec vos bruits hein, messieurs, hein, s'il vous plaît. Hein. Lecture de la vidéo, enfin putain on y arrive les amis. Connexion à l'autre, impossible, non. Non. Ok. On va tous les faire, les poteaux. Allez. Dans ces jeux, il faut toujours qu'il y ait des pannes partout, hein. Franchement, c'est abusé. Ah, voilà, rétablissement de la connexion, enfin. Beau travail, Morgan. Les écrans miroirs sont de nouveau en ligne. Retournez le plus vite possible. Je me sens mieux. Vous devez absolument écouter la fin du message. Je vous retrouverai là-bas. Ok, ouais, mais je peux lire la vidéo, là, non? C'est quoi, ça? Ça enregistre? La colorimétrie semble un peu chaude. Où est le photomètre? Le portable? Vous l'avez pris? Non. Hier, on en avait deux. Et aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. On en a toujours eu un seul. Mais c'est absurde. Vous avez oublié? Sérieux. On va faire l'autre. Partez. Je croyais qu'on avait terminé. Bon, alors très bien. Éteignez-le. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Non, je crois... Vous avez raison. Il se fait tard. Allez, allez, allez vous coucher. Vous allez pas vous reposer? Me reposer? Ah, ne vous inquiétez pas. Je vais terminer. Très bien. On se voit plus tard, je suppose. Oui, vous supposez. Pardon? Vous dites toujours « je suppose ». Ça a marché, je suppose. On se voit plus tard, je suppose. Vous êtes une scientifique, arrêtez de supposer. Affirmez. Faut des faits. Taisez-vous.
Putain, c'est il tout. Est dur. Hein. Mais il a raison. Hein, docteur Calvino. Il est en piscatore. Et alors, il se passe quoi, là? Ah, enfin. Attends, je te vois plus, pars pas. Je te vois. Je te vois, ça perd l'hypopète. Il fait quoi, là? La vidéo n'est pas finie, donc... Moi, je veux rentrer dans le miroir. Putain. Fin de la vidéo, ok. Bon, tout ça pour ça, en fait. Ok. Bon, allez, on se casse. Attendez, on n'a rien à récup, là? Non. Bon, je suis pas bien, les amis. Hein, je vous jure, quoi. La vérité... encore là, putain, ils sont encore là. Attendez, est-ce qu'on peut mettre des points de talent là? Neuromode, j'en ai un. Ben tiens, ça tombe bien. Ah ouais, il m'en faut plus, j'en ai qu'un. Putain, merde. Mais non, putain, je suis pas au bon endroit. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, 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 il n'y a pas de problème, monsieur. Ah, j'ai plus de place pour une clé à griffe, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais, ok, ça me fait repasser là. Bah c'est cool ça. Matériaux organiques, putain, j'ai encore plus de place, merde. Faut que je revienne, faut que je revienne, ok. Wow. Bah, oh là là, ils sont là-bas, quoi. Dites-moi pas que... Putain. Oh non. Oh, ce jeu il est terrible les amis, hein. Il est vraiment terrible quoi. Putain. On refouille mais ça sert à rien. Trop con en fait, j'ai plus de place. Ok, vidéo, donc là-bas. Oh merde. Waouh, mais ils sont partout. Non, ben non. Mais pourquoi ils ont des points d'interrogation, les bougres, là? C'est parce qu'ils sont intuables, en fait. Putain, d'accord. Et en attendant, ils me ruinent en deux, quoi. Ok. Putain.
Attendez, du coup, il faut que je répare mon armure, là, parce que vous avez vu, elle a... Ouais, j'ai plus de balles, putain. Je voulais que je fasse comment sans balles, en vrai. Ouais, mais il me faut le truc, il faut que je puisse arriver. Ah, mais là ! J'en ai un là, putain. Voilà. On va transférer tout le rebut. Et pour fabriquer, c'est où ? Ben non, il... Ah ouais, mais le problème, c'est dans mon bureau qu'ils viennent me faire chier, toi. Je peux pas, j'ai que la molette, mon amour. Oh merde, là je peux pas, ils sont deux. C'est infaisable. Putain, ils sont deux quoi, je fais comment? T'as pas débloqué un autre ailleurs? Eh non, putain. Ah, fait chier. Et là, ça m'a compté le truc, là? Ah non. Et tout le reste, ça restaure des soins. Bon, ben, déjà, là, c'est bien. Donc, on va réparer à nouveau l'armure, les amis. Et ouais. Putain. Ok. Se remettre de la vie. On a des trucs pour se remettre de la vie, hein, on a vu. Donc, j'ai 36 points de vie. Je vais être obligé d'utiliser mon kit de soins, quoi. Je suis deg, putain. Je suis deg, eh ouais, je suis obligé. Je vais attendre pour passer, on va attendre. Ouais, ouais, tu perds la tête. Ouais. Allez, bouge de là. Alors j'ai bougé. J'ai dû m'en aller, partir, bifurquer. Il va me faire rien jusqu'au bout, ce con, hein. Oh merde! Ouais, ils sont terribles, putain, ils me foutent. Ah, ils m'ont niqué encore toute la vie, quoi. Putain, c'est pas croyable. Putain, je suis comme ça, les poteaux. Oh là là, c'est complicado. Voilà, j'ai plus rien. Attendez, par contre, j'ai quoi là? Le bouclier.
Putain, je crois qu'on s'en est sorti. Avec beaucoup de mal. En fait, il faut vraiment les faire en mode soum-soum, hein, en mode sous-marin, hein, ceux-là, je vous le dis. Hein. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Ouais. Tu dois détruire Talos One. Mmh. Les recherches, les typhoons, rien ne doit survivre. D'accord. Toi y compris. C'est insensé, je sais. Mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Comment ça, elles font partie détruire de toi. Ben, si non. Ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolé. J'aimerais qu'il y ait une autre solution. Non, mais je vais pas Januari me tuer, peut t'expliquer hein. Comment activer le mécanisme d'autodestruction. Non. Alex essaiera de t'en empêcher. Il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour rentrer chez papa et maman la queue entre les jambes. Mmh. Alors, tout repose sur toi. Bonne chance. Je t'avais dit que t'aimerais pas. Ah, j'aime pas du tout. Je vais pas me foutre en l'air. Et oh. Hein? Oh putain. Ouah, ça me fait flipper tous ces bruits là. Bon, mais là, je fais... Bonjour Morgan. Je suis Januari 2035. Je suis un opérateur. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One, mais je suis unique. Ouais. Morgan? Ah, c'est toi, Januari, ok. Je suis votre plan B. Ma première tâche était de vous extraire de la simulation. La seconde était de vous montrer la vidéo. Toutes deux sont accomplies. Ok. Intéressant. De nouvelles directives me sont maintenant disponibles. Le protocole d'autodestruction de Talos One s'active par deux clés d'armement. Votre frère possède la première, et vous aviez la seconde. Alex a détruit votre clé d'armement, mais vous avez caché son plan de fabrication dans le stockage. C'est là que vous devez vous rendre. Nous nous occuperons de la clé d'Alex plus tard. Les typhoons se propagent à toute vitesse, Morgan. Vous ferez la course contre eux, et contre votre frère. Cette carte d'accès vous ouvrira l'ascenseur principal et tous les laboratoires. Et des meilleures nouvelles, non? T'en as pas? Mis à part ça, tu fais quoi d'autre, là? Je peux te demander de l'argent, non? Vous avez réussi, FDM, ok, ne pas la... C'est toujours pas ce qui s'est passé, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire preuve de politesse. Quand tu m'as croisé aujourd'hui dans le couloir, tu ne m'as même pas regardé. Si tu m'en veux pour quelque chose, parlons-en. Faire semblant de ne pas me connaître n'aidera en rien. Nous devons toujours travailler ensemble, ok. Ouais, là, je vous laisse lire, hein, voilà, écoutez. Ah. Malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre l'ascenseur en marche. Mais vous pouvez passer par... Je vous laisse lire, trop loin, trop vite, mais je crois qu'on l'avait lu. Laboratoire de psychotronique. Morgan, c'est de ce laboratoire que le typhoon s'est échappé. Faites attention, je vous en prie. Sujet suivant. Vous m'avez demandé de vous fournir plus de neuromodes. C'est fait. Bonne chance, Morgan. Oh, je jouis d'une autonomie supérieure aux opérateurs lambda. Le contenu de la vidéo est choquant. Cela... Pourquoi tu... Nous, faudra aller au numéro, au niveau 1, ok. En chair et en os, peut en endosser la responsabilité. Enfin, je suppose. Ouais, t'as j'ai votre voix. C'est une tactique pour apaiser votre suspicion naturelle. Vous le réalisez certainement. Je vous en fais part pour vous prouver mon honnêteté. Donne-moi un autre neuromode pour ton honnêteté. Et tout s'arrange, je te crois. Simon se vous a posé des neuromodes vierges. C'est pour cette raison que vous vous êtes souvenu du test d'hier et vous êtes échappé. D'accord. Chaque neuromode prend un cliché de votre cerveau et modélise ce à quoi il ressemblerait si vous appreniez quelque chose de nouveau. Il effectue ensuite les modifications. Des milliards de connexions sont réorganisées en quelques minutes. Tout est rendu possible par nos amis de l'espace. Ah, c'est les ingénieurs de l'espace, c'est bien vous ça. Vous m'avez donné j'ai pour instruction de saboter les procédures de test dans le cas où Alex vous garderait prisonnière ou dans le cas où des typhoons échapperaient au confinement. Ces deux éventualités sont avérées. Okay, il doit y avoir des armes au poste de sécurité dans le grand hall. Poste de sécurité dans le grand hall. Et t'as un autre neuromode, non? Et si je te tape, tu me le donnes le neuromode? Merde! J'ai tué Januari. C'est ta pote, hein.
Ouais, je sais, mais elle a pas voulu nous donner autre, des armes ou quoi. Moi, je lui ai demandé d'autres neuromodes. Putain, bon, allez. Qu'est-ce qu'on peut casser, là? C'est bien, les amis, on va pouvoir se fabriquer 2-3 items, là. On va voir quoi. Donc, il faut que je me souvienne. Attendez, là. Kit de secours. Non, système de propulsion hors taxe, mais je l'ai déjà. Arbalétrière, ben c'est tout, hein, écoutez. Voilà, on va pas faire grand-chose. Prendre cartouche, putain. Est-ce que je m'en refais? Ouais. C'est important contre les autres merdes là, parce que je pense qu'avec 60, ça devrait le faire. Attendez, on va save. Avec 60, si je m'en sors pas, je m'en sors plus. Ok. Ils remettent rien par contre, hein. C'est décevant. Tu me redonnes rien, toi, non? Putain, je suis pas bien. Bonjour, Fabrice. Oh, le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. Ouais, mais j'ai pas faim, là. Là, franchement. Ok, je vous laisse lire. Toujours pareil, vous mettez pause. Vous faites comme vous voulez. Sujet d'expérience, ok. Je sais pas si on l'avait pas lu, ça. Oh, 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 vous voyez, je vous dise. L'autre, il arrive en 2-2, il me rouille de ma race, quoi. Putain, non. Là. Ah, il est terrible, ce jeu, hein. Oh, putain. Écoutez, on va pas aller là, hein. On va pas aller là. Voilà. Il m'a fait peur, ce con là. T'es sérieux, toi? Bonjour, Talos. Le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. Ouais, je suis pas bien. On remonte la vie comme on peut, hein, les amis, hein, vous m'en voulez pas. Voilà, cette allure, il va me falloir 20 ans, mais bon. Normalement, il y a les joies du montage de vidéo. Ouais, mais non, ouais. Oh yeah. Putain.
Là, je n'ai rien. N'hésitez pas, dites-le, likez, partagez aussi et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Oh merde. Merde. Putain. Moi, je suis trop stressé. Bonjour Morgan. Il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Ouais. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Oh merde! Waouh, ta mère! Oh ben non, Bob! Oh. Oh là 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 là! Mais pourquoi t'as pas pété, mec? Bonbonne Bonjour de merde! Il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Ouais. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Ouais, il arrive, il a un bruit. S'il fait péter les deux là. Waouh. Je flippe, hein. En vrai, je flippe, hein. Arrête, elle est con, Fanny. Oh. Attention. Tu m'es arrivé. Bonjour Morgan. Il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Ah, j'ai même plus de vie, quoi. Waouh! Ouais, laissez tomber, je peux pas le tuer lui, j'ai plus de vie quoi. Bonjour Morgan, il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Non! Ah! Oh merde! Oh, bah. Oh putain! Mais non quoi! Mais non! Et December, j'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des Typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé.
Oh, j'ai géré, là. Oh, là, j'ai géré, les amis. Oh, là, j'ai géré. Là, on va pas y aller. On va save. Non, c'est pas là, c'est plus où c'est. Putain, je suis perdu. Oh, j'ai géré, les potos. Oh là là. Il m'a tellement fait peur. Donc attendez, parce qu'il y en a encore... Putain, il y en a encore en bas. On a vu qu'il y en a deux. Il y en avait deux. Ah mais à mon avis, quand il y en a un gros, il se divise en deux en fait, en vrai. Je pense. Regardez, on va ramasser ce qu'on peut là. Et on avance, hein. C'est complicado, mais on avance, hein. J'ai pas de vie, hein. J'ai pas de vie. Putain, c'est chiant, c'est relou. Quoi. Ah, ces jeux où on n'a pas de vie. Pas comme si c'était compliqué, hein. Oh, regardez. Ouais, je peux pas le récupérer, ce dag. Ah, mais je peux le prendre par là. Putain, c'est top. C'est top. Est-ce que je me mets la vie, du coup? Ouais, j'en ai plus. Attendez, ah mais c'est ça. Ça va me faire remonter un petit peu quand même. Eh bien les amis, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire qu'on va s'arrêter là. Oh putain. Le département psychotronique est un endroit dangereux, Morgane. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Quelqu'un te vient en aide? C'est Michaela et Lazare? Mais t'es un traître, frérot, t'es un traître. Je veux espionner les messages de votre frère. Nous sommes d'accord sur ce point. Sortez de là le plus vite possible. Vous devez trouver le sas de maintenance d'un tunnel de service qu'on appelle le TEG. D'accord. Il vous conduira au sommet de la station. Ok. Eh bien, les amis, ça sera au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien, du bye-bye, à très bientôt. Allez, ciao. I've been dreaming all in my